ne sais pas parler espagnol. Bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode des Quoi Lecture de janvier. Bon, bah, pour un bilan d'un mois durant lequel j'ai moins lu que d'habitude, j'en ai des trucs à dire, hein. Semble-t-il, très très long épisode la semaine dernière. Pardon, vous le savez, j'enregistre les quatre collectures du mois en même temps. Et là, c'est le dernier. J'en peux plus. J'ai dû couper le tournage en deux parce que c'est trop compliqué. Et il reste trois livres desquels parler. Donc, plongeons tout de suite dans le vif du sujet, voulez-vous, avec Knysna de Onadako. Et là, j'ai un peu fait le con, j'ai pas pris assez de notes. J'ai pas pris assez de notes de lecture, et je l'ai lu entre le 5 et le 8 décembre. Aujourd'hui, on est le 5 janvier, je lutte un peu pour me souvenir des détails de mon ressenti. Mais je me souviens relativement bien de l'histoire. Donc c'est l'histoire de Michael Stark, un gars qui... J'ai oublié son métier. Mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que dès le début du livre, sa petite fille est victime d'un attentat. Ils sont dans un bar et des hommes armés entrent et tirent à vue avec des mitraillettes et la pauvre gamine meurt. Bon, autant vous dire que c'est pas du tout un bon début de roman pour moi. J'ai rien contre les histoires sombres, mais commencer un thriller avec la mort d'une petite fille, d'emblée, ça va me braquer, quoi, fatalement. Mais bon, c'est un événement traumatique pour pousser notre héros à passer à l'action, puisque, en effet, l'action, ça va être que ce bon vieux Michael Stark va partir à la recherche des tueurs de sa fille. Parce qu'il est flic. je sais plus du tout. C'est un livre de viewer, j'ai oublié de le préciser, c'est un livre de viewer. Mais vraiment, son métier, je me rappelle plus du tout. Mais l'une des raisons qui font que je me rappelle plus très bien de ce Michael Stark, c'est parce qu'il y a deux personnages principaux et que je me rappelle beaucoup mieux l'autre. J'aurais tendance à dire que l'autre est plus important d'ailleurs. Hilton Hartfield de Beauchesne. Et comme son nom l'indique, le pognon. Bien le pognon. Gros pognon. Hilton est le meilleur ami de Michael. Ils sont liés par un pacte d'amitié parce que Hilton, que l'autre surnomme Hill, a un comportement autodestructeur. Il a un train de vie dégueulasse. Il sort, il boit, il se défonce. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Et donc, pour que leur amitié fonctionne, ils ont ce pacte de devoir toujours se dire la vérité quand l'un des deux pose une question à l'autre. Techniquement, j'imagine que ça sous-entend que le mensonge par omission est toléré. Enfin, franchement, ils vont vraiment tout le temps chercher la faille dans ce pacte entre eux, de toute manière. Et alors, Michael et Hilton, tous les deux, vont chercher l'identité des tueurs de la petite. Michael, parce que... Alors, je crois me souvenir qu'il est flic, je suis pas sûr. Et Hilton, parce qu'il a des relations, et parce que très vite, ils vont faire un lien entre un numéro de téléphone qu'il trouve, et la petite amie, avec des bons gros guillemets, de Hilton, qui s'appelle... Knysna. C'est le titre du livre. Pourquoi c'est le titre du livre? Par contre, ça, je ne sais pas. C'est un personnage secondaire qui est secondaire pendant tout le livre. Quand on la croise la première fois, évidemment, je me suis dit, ah, ok, c'est parti, toi. Toi, t'es le sujet du bouquin, toi. Toi, t'es méga importante, toi. Et je constate, si vous voulez, très vite que c'est juste la copine très absente d'un des deux protagonistes. Alors, du coup, ouais, son absence crée une sorte de suspense, si vous voulez. Est-ce qu'elle trempe dans des affaires méga louches avec des gangs tueurs d'enfants? On ne sait pas, et c'est bien mystérieux. Et quand on finit par la voir en chair et en os, parce que je vous dis, elle est très absente, quand on finit par la voir en chair et en os, bah, ma foi, on a des réponses qui sont ce qu'elles sont, et je comprends pas pourquoi Knysna est le titre du livre. C'est un joli nom. En fait, ce qui me fout un peu dedans pour cette vidéo, c'est qu'il y a deux choses dont je me rappelle très vivement, et l'une de ces choses, c'est la fin. Sauf que la fin, c'est une grosse révélation, et que si je vous en parle, ça va beaucoup diminuer votre intérêt de découvrir le livre. Il y a une grosse révélation sur l'identité des tueurs de la gamine, que j'ai pas du tout vu venir personnellement. Après, il faut dire que l'enquête des deux gars piétine vraiment très très fort. C'est pour ça que j'ai pas vu venir, c'est qu'ils accumulent des miettes d'indices, et ils sautent à la première conclusion dès qu'ils ont le moindre élément. Ça, c'est une petite catastrophe, leur façon de mener l'enquête. Très tôt, ils trouvent un carnet dans la chambre d'hôtel de Knysna, et sur le carnet, il y a une liste de rendez-vous dans d'autres hôtels. Et là, bam, elle fait la pute. À partir de là, ça devient un axiome pour eux.
Genre, Knysna se prostitue, c'est une certitude. En tant que lecteur, t'es un peu frustré parce que tu te dis, bah, les gars, vous menez une enquête. Tout ce que vous avez, c'est une liste de rendez-vous dans des chambres d'hôtel. Attendez un peu avant de... Genre, si Knysna était un vieil homme obèse, par exemple, avec une liste de rendez-vous dans des hôtels sur un carnet, est-ce que vous penseriez prostitution directement? Non? Bon bah peut-être qu'il y a d'autres pistes à envisager alors. C'est pas des super enquêteurs les deux là. Heureusement la révélation finit par leur tomber dessus parce que sinon je pense qu'ils chercheraient encore. Et l'autre truc dont je me souviens très vivement, c'est l'ambiance globale du livre. C'est glauque. Alors attention, c'est pas mauvais. Parce que c'est exactement l'intention de l'autrice. On plonge dans le sombre, dans le triste, la morosité, la déprime, c'est... Moi j'ai trouvé ça étouffant, mais je peux pas considérer ça comme un défaut parce que, là encore, l'autrice a touché en plein là où elle visait. Mais c'est pas pour moi. En particulier après l'Assassin Royal, j'ai lu des trucs légers, des trucs chouettes, des trucs simples, les deux BD dont on va parler après, là, des romans de Noël. Là, il y a une petite fille qui meurt dans un attentat dans le premier chapitre. Son père demande de l'aide à son meilleur ami avec qui il a une relation de merde. Meilleur ami qui est polytoxico, que sa famille déteste. Michael est divorcé, sa femme le déteste aussi parce qu'elle les estime tous les deux responsables de la mort de son enfant. Et les événements du milieu du livre, je vais pas vous les dévoiler, mais voilà, les événements du milieu du livre, il y a plusieurs twists, donc je peux pas vraiment en parler. Enfin, voilà, il y a plusieurs rebondissements, mais qui sont tous glauques, qui sont tous tristes. Il y a des personnages qui meurent, il y a des personnages qui torturent, et la fin est un sommet de glauquitude. On en parlera plus sur Twitch demain. Vous trouverez le lien vers le replay dans les commentaires dès que le replay sera disponible. Mais bon, voilà, vous avez l'idée. Il n'y a pas une once de joie, d'espoir, de complicité. C'est un monochrome noir. Alors, si c'est votre truc, foncez, évidemment. C'est pas mal écrit du tout. Mais pour mes goûts personnels, moi j'ai besoin d'un peu de blanc, quoi, si vous voulez. J'ai besoin d'un peu de plaisir, un peu d'humour, ou d'un peu de lumière, quoi, juste pour... Mais même pour pouvoir apprécier la dimension de la noirceur, si vous voulez. Les deux protagonistes n'ont pratiquement que des défauts. Alors, Michael, je veux bien être un peu en empathie avec lui, parce qu'il a perdu sa fille, quoi, dans le premier chapitre, donc forcément. Mais cette empathie, vous voyez, va pas le porter pendant tout le roman. À un moment donné, j'ai besoin qu'il ait quelque chose pour lui, quoi. Au-delà de son traumatisme, j'entends, j'ai besoin qu'il développe quelque chose. Pareil pour Hilton, d'ailleurs, c'est un riche héritier torturé. Je veux bien, moi, je veux bien, mais c'est aussi un menteur, il est injuste avec sa meuf, il est misogyne, enfin, c'est des sacs à merde tous les deux, quoi. Le seul petit rayon de lumière, c'est la gamine au début, et elle se fait tuer dans le chapitre 1, et tout le fun se fait tuer avec elle. Dans l'écriture de ce retour sur ce livre, j'ai cherché des exemples pour plus parler de la noirceur que j'aime dans les romans, des exemples de livres pessimistes, de livres tristes, de livres qui finissent mal, mais que pourtant j'avais bien aimé. Mais vraiment, j'ai toute une flopée d'exemples, mais je suis pas sûr qu'ils soient très pertinents. Il y en a un qui fonctionne pas mal, c'est Les Belles Nuits d'Andy Dolin, dont on a déjà parlé dans cette émission. En plus, ça tombe bien, c'est aussi un roman de l'une d'entre vous, et c'est l'un des romans de viewers que j'ai préféré. C'est un excellent bouquin, Les Belles Nuits d'Andy Dolin. Lui aussi, très sombre, très triste, très dur, qui finit mal. Et la raison pour laquelle celui-ci, Les Belles Nuits, m'a fait vibrer, et que celui-là, non seulement je peine à m'en souvenir, mais en plus je me souviens que mon ressenti c'était... Ok, voilà. T'as rempli ton deal, félicitations. J'ai rien ressenti, mais je sais reconnaître quand un livre est bien écrit, quand un objectif est bien atteint. La différence, donc je disais, est vraiment... l'attachement au protagoniste. Dans Les Belles Nuits, je voulais que la protagoniste s'en sorte. Et c'était faisable. Ici, est-ce que je voulais que Michael retrouve les tueurs de sa fille? Franchement, pourquoi? Pour qu'il les tue? Pour qu'il les fasse payer, peut-être? Pour qu'il ait des réponses? Non, à la limite, j'aurais voulu qu'il fasse son deuil, peut-être. Qu'il apprenne à passer à autre chose, malgré la difficulté. En fait, j'en sais rien ce que j'aurais voulu de bien pour lui, mais... Mais ce qui est sûr, bah, c'est qu'il lui arrive du mal. Il lui arrive du mal, finalement, et ça m'émeut pas spécialement. Il s'agit quand même d'un père qui perd sa fille, quoi. Niveau empathie, si vous voulez, j'étais juste là, quoi. T'avais juste à déplier les doigts pour m'attraper, mais non. Donc ouais, non. Alors, c'est pas un mauvais livre, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas un mauvais livre, encore une fois. Je vous le recommande si vous aimez les histoires très sombres, un peu lentes, les personnages très imparfaits. Moi, ça a pas vraiment été un plaisir de lecture. Désolé. En revanche, j'ai vraiment beaucoup apprécié ces deux petites choses. Je vais vous parler des deux en même temps, ça va être plus simple. Et le tournage commence à devenir un petit peu long. Donc, quatre enquêtes de Sherlock Holmes d'abord, et Sherlock Holmes et Moriarty associés
Après, on rentrera dans l'histoire de celui-ci tout à l'heure, mais je vais vous parler du concept global du truc. C'est un concept qui a été inventé, en tout cas qui a été déposé par une boîte qui s'appelle Macaca Édition. Ils en ont plein, des trucs comme ça, ils ont des BD dont vous êtes le héros, donc voilà, c'est le concept qu'ils ont créé. Évidemment, c'est comme les livres dont vous êtes le héros, mais c'est des BD, hein, voilà, jusque-là, ça va. Alors, ils ont une série Sherlock Holmes, mais pas que, ils ont plein de différents scénarios. Ils ont aussi des BD dont tu es le petit héros pour les enfants, très hâte de découvrir ça avec ma fille, un jour, dans longtemps. Ils ont des jeux dont vous êtes le héros, c'est une boîte de jeux avec 4 BD, avec 4 rôles différents. Les joueurs lisent conjointement et prennent des décisions ensemble, ça a l'air d'être un concept vraiment très très cool là encore. Si les BD c'est pas votre truc, ils ont aussi des romans illustrés dont vous êtes le héros, donc c'est un roman dont vous êtes le héros évidemment, mais avec des illustrations pleines pages dans lesquelles il faut chercher des éléments qui peuvent vous guider pour prendre les bonnes décisions. Bref, que des bonnes idées, j'aime beaucoup leur concept. Alors, ce coin lecture n'est pas sponsorisé parce que j'en dis beaucoup de bien, ce coin lecture n'est pas sponsorisé du tout, juste j'aime bien mettre en avant les bonnes idées des maisons d'édition, on est là pour parler de bouquins, au bout d'un moment, et voilà, et quand j'aime bien un truc, je vous le recommande, donc voilà, Macaca Édition, c'est bien ce qu'ils font. Et donc je les ai découverts avec 4 enquêtes de Sherlock Holmes, je suis à peu près sûr que c'est un cadeau de Noël de l'année dernière, ou bien 2 ans, je ne sais plus exactement, et je vous ai déjà parlé du contexte de lecture tout à l'heure, donc après l'Assassin Royal, j'avais vraiment besoin de réapprendre à aimer lire. J'avais besoin d'une valeur ultra sûre et je me suis dit Sherlock Holmes c'est une valeur sûre si vous voulez. BD dont vous êtes le héros, ça a l'air très ludique, ça a l'air très sympa, allons-y. Et ben ça a pas manqué, c'est vachement bien. Dans ce premier livre qui est en fait le deuxième tome de la série Sherlock Holmes des BD dont vous êtes le héros, mais j'ai pas le premier tome, j'ai découvert avec ce tome là. Bref, donc dans ce livre, accrochez-vous pour le choc de votre vie, il y a 4 enquêtes. Ça commence avec une toute petite enquête, Madame Hudson a perdu son chat, il faut déduire où il se trouve, donc c'est plus un tuto qu'autre chose, ça t'apprend à voilà, ça t'apprend comment fonctionne le jeu. Et après cette première enquête, nous avons la première très bonne idée de cette série de BD. Tu peux choisir la difficulté en décidant d'incarner Sherlock Holmes ou Watson. Si tu es Watson, c'est plus simple. Parce que d'une part, tu peux demander des conseils à Sherlock Holmes, et d'autre part, tu peux examiner les corps des victimes. Parce que évidemment, Watson est médecin. L'un des autres trucs qui font que c'est plus facile d'être Watson, parmi les 6 questions disponibles pendant les interrogatoires, Watson peut en poser 4, Sherlock Holmes ne peut en poser que 3. Alors moi, j'ai fait tout le premier tome en tant que Watson, pour découvrir le concept, je me suis dit, alors, on va essayer en mode facile, on va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, parlant d'interrogatoire, il y a une autre dynamique que j'aime vraiment beaucoup, qui est très bien pensée, c'est qu'il y a des questions piégées, on va dire ça comme ça. Il y a des questions qui peuvent vexer votre interlocuteur ou interlocutrice. Et si tu vexes ton interlocuteur ou ton interlocutrice, tu peux plus lui poser de questions derrière. Et ça, j'ai envie de dire, la possibilité de vexer les suspects, c'est très Sherlock Holmes quand on y pense. Et avant de plonger dans les 4 enquêtes proprement dites, je veux aussi parler d'un dernier élément de gameplay, de dynamique, de voilà. Il y a des touches de machine à écrire dissimulées dans certaines cases, et il faut en trouver le plus possible. Parce que c'est important pour la fin, je vous dis pas pourquoi. Et parfois, Moriarty a laissé des énigmes facultatives, qui n'ont rien à voir donc du coup avec les enquêtes en cours, et si tu parviens à les résoudre, tu trouves 3 touches de machine à écrire. Bref, il y a ça, il faut garder le compte de combien tu trouves de touches de machine à écrire, parce que, donc je disais, elles sont importantes pour la fin. Et j'ai vraiment été à chier à ce niveau-là, alors que les enquêtes, je m'en suis pas mal sorti. Mais vous allez voir, on va en parler. Donc là, je dis, la première enquête, trouver où se trouve le chat de Madame Hudson. Deuxième enquête, elle s'appelle la ligne de vie, une voyante est assassinée, il faut trouver le coupable. Il y a le carnet avec les dernières consultations de la voyante juste à côté. Très chouette enquête, pas évidente je pense. Personnellement j'ai réussi à trouver la solution, mais j'étais assez content de moi. Troisième enquête, un homme est retrouvé tabassé, amnésique et tout nu. Bane peut-être, on ne sait pas. Il faut déduire qui il est et ce qui lui est arrivé. C'est une sombre histoire de chasse au trésor dans la forêt, enfin voilà. Là encore, très chouette, et j'ai réussi à trouver la réponse, là encore. Go moi! Quatrième et dernière enquête, un joyau a été volé au musée, un scarabée antique d'une valeur inestimable. Ça a lieu pendant la nuit, 5 employés du musée seulement sont sur place, l'un d'entre eux est le coupable, et celle-là, j'ai merdé. Et je m'en veux un peu parce que je suis passé à côté d'un indice vraiment tout con. Je suis sûr et certain que j'aurais trouvé la solution si j'avais fait gaffe à ça. Évidemment, je ne peux pas vous spoiler, sinon ça perd tout son intérêt. Et la raison de laquelle j'ai été très frustré, c'est que à la fin, en bonus,
bonus, si vous voulez, comme un joli petit nœud autour de l'histoire, on se rend compte que toutes les enquêtes étaient liées depuis le début, qu'il y avait un fil rouge juste sous notre nez, et qu'on peut gagner si on a toutes les réponses aux 4 enquêtes. À la fin, tu sais quelles sont les bonnes réponses. Et donc, bah, comme j'en avais raté une, bah, j'avais pas bon et j'ai perdu. Je reste vague, mais ouais, c'est un peu humiliant de finir là-dessus. J'en avais bon 3 sur 4 quand même. Mais bon. Mais là encore, je suis passé à côté d'un indice que j'aurais dû voir dans la dernière. Donc vraiment, c'est entièrement ma faute. Mais voilà, globalement, très gros kiff. À la fin, t'as une note sur 20 pour évaluer à quel point tu t'en es sorti. J'ai eu 13 sur 20. Non, voilà. Non, je m'en suis bien sorti. Je peux pas, par contre, faire vraiment les mêmes commentaires au sujet de Sherlock Holmes et Moriarty associé, deuxième tome, qui est donc en fait le troisième tome. Celui-là, j'ai eu 2 sur 20. Ah, j'ai chié partout. J'ai envoyé tous les innocents en tôle dans celui-là. Rien à foutre. Catastrophe. Petite présentation. Dans ce tome, nous sommes dans un train. Durant la première enquête, un collier de diamants a disparu et ce sont les diamants éparpillés dans le train que nous devons retrouver. Donc c'est qui joueront donc le même rôle que les touches de machine à écrire dans le tome précédent. Donc du coup, j'en ai trouvé un petit peu plus parce que je savais qu'il fallait que je fasse attention. Mais là encore, ça n'a pas été fameux. Et donc, dans ce train, nous avons Moriarty avec nous. Et à partir de la deuxième enquête, sur trois enquêtes, il y a trois enquêtes dans celui-là. À partir de la deuxième enquête, Moriarty peut nous rejoindre. Et on peut interpréter Moriarty. Moi, j'ai voulu incarner Sherlock Holmes tout au long cette fois. J'ai voulu essayer de voir si ça changeait quelque chose. 2 sur 20, ça change quelque chose. Mais en fait, c'est un peu con, j'aurais dû profiter de la spécificité de ce tome, à savoir que la caractéristique particulière de Moriarty, c'est que quand il vexe son interlocuteur ou son interlocutrice, il peut le ou la menacer de violence et ainsi obtenir une information supplémentaire. C'est bien pensé d'une façon générale, hein. Bref, et c'est ça que j'aurais dû faire avec le recul. J'aurais dû incarner Moriarty. Mais alors, ce deuxième tome, par contre, il a 2 défauts que n'avait pas le premier, d'après moi. Attention, je dis pas qu'il est mauvais, hein, du tout. J'ai perdu parce que j'ai merdé. C'est pas une question d'équilibre, j'ai merdé. C'est pas la faute du livre. Mais il y a 2 défauts, notamment dans la première enquête. Le premier défaut, c'est que dans la première enquête, si vous voulez, quelqu'un meurt, donc un collier de diamants est dérobé, il faut comprendre ce qui s'est passé, et on peut interroger les passagers et les contrôleurs du train, enfin les passagers de la voiture. Et les passagers ont presque tous les mêmes questions disponibles, et comme on n'a aucune info sur eux, impossible de savoir quelle question va les vexer ou pas. Il y avait une question, est-ce que je peux fouiller vos bagages? Alors celle-ci, je l'ai systématiquement évitée parce que je me suis dit, ça me semble être un gros potentiel vexatoire, cette histoire, et j'ai systématiquement posé la question, où étiez-vous au moment du meurtre? Première question que je posais à chacun, c'était ça, parce que ça me semble légitime comme question, quoi. Ça sous-entend pas « je vous suspecte », ça sous-entend « j'aimerais avoir une image globale de la situation ». Où est-ce que vous étiez quand ça a eu lieu? Alors d'une part, il y a un passager qui s'est vexé quand je lui ai demandé ça, ma première question, je pouvais plus lui poser de questions après, mais les autres qui s'étaient pas vexés avant, moi j'avais aucun moyen de savoir que ça allait le vexer. Et l'autre truc, c'est que quand je suis arrivé dans la pièce des bagages, avec plein de chiffres, partout des chiffres en plus qui peuvent amener à des cases, enfin c'est le principe d'un livre dont vous êtes le héros, tous les bagages avaient des messages, si vous avez l'autorisation d'ouvrir le bagage, allez à telle case, sinon, allez vous faire foutre. J'avais aucune autorisation, j'ai pas demandé pour pas vexer. Du coup j'ai pas ouvert les bagages, parce que c'est comme tous les jeux, si tu triches ça n'a aucun intérêt. Et parlant de ça, deuxième défaut, ce putain de Wiggins. On va... Alors, à plusieurs reprises durant tout le livre, finalement, le jeu disait, si vous avez Wiggins de disponible, vous pouvez aller à telle case. Alors au départ, je me dis, bon, ok, donc je note ça quelque part, il faudra revenir ici quand Wiggins sera disponible. Et puis, l'enquête passe, c'est un désastre, j'ai 0 indice, et puis donc, il faut donner une conclusion, je réponds à moitié au pif avec le suspect qui a la tronche qui me revient le moins. Et donc, pas de Wiggins, je passe à l'enquête suivante, mais du coup, plus de retour en arrière possible à ce moment-là. Et dans la deuxième enquête, ils disent « Si vous avez Wiggins de disponible, vous pouvez faire ça !» Et là, je me dis « Oh non, j'ai raté Wiggins, ça va me pourrir mes 2 autres enquêtes. Oh non !» Et donc, très rapidement, donc deuxième enquête, un homme s'est manifestement suicidé en sautant de son bureau du deuxième étage. Il est en travers des rails, du coup le train a dû s'arrêter. On va voir son bureau, il y a plusieurs suspects. J'avais une assez bonne idée de ce qui s'était passé, mais j'hésitais entre 2 suspects. Et j'ai opté pour le mauvais, parce que je suis une tâche. En plus, c'est frustrant parce que c'est celui que je suspectais depuis le début. Celui-là, je me suis dit, toi, je te sens pas. Toi,
tout ce que tu dis là, c'est faux. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, ouais, mais toi, alors que c'était le premier depuis le début. Et troisième enquête, la fille d'un duc et d'une duchesse a disparu dans le train. Il faut découvrir qui l'a fait disparaître. Là encore, j'ai tout chié partout sur les murs, alors que j'aurais pu trouver. Non, mais j'ai vraiment pas été très bon sur celui-là. Et donc, à la fin, tout est lié. Si tu as bon toutes les enquêtes, tu peux résoudre le dernier problème, si j'ose dire. Mais comme j'avais tout faux, j'ai résolu mes couilles. Mais là, je me rappelle... Minute. J'ai fini le livre, mais... Je me rappelle qu'en feuilletant le livre pour chercher mes pages, il y avait un point d'interrogation dans les numéros de pages. Parce que dans ce genre de livre, vous savez, c'est pas vraiment le numéro de page qui est indiqué en bas de la page, c'est le numéro des cases. Si tu dis, allez en 42, tu cherches le numéro 42, tu cherches pas la page 42, t'en fous de la page 42. Et je me souviens que dans ces numéros de pages, j'avais vu donc, comme je disais, un point d'interrogation. Et je me suis dit, à un moment donné, on va me demander d'aller en point d'interrogation. Et donc, il faudra que je sache... C'est là. Faudra que je comprenne ce que ça veut dire, quoi. Mais c'est jamais arrivé. Donc je vous dis, j'ai fini le bouquin, c'est jamais arrivé. Alors du coup, je vais voir cette fameuse case point d'interrogation pour voir ce que c'était, à côté de quoi je suis passé, quoi. Une fois que j'ai bien eu mon 2 sur 20. Et cette case, c'est Wiggins qui rentre dans le train avant le début de l'aventure. Et qui dit dans cette case qu'il se tient prêt pour quand Sherlock Holmes aura besoin de lui. Et là, je dis non. Parce que le principe même de ces livres-là, c'est de ne pas regarder les cases qu'on ne t'a pas dit de regarder. Sinon, à ce moment-là, c'est facile. Hein, c'est facile, à ce compte-là, il n'y a pas de jeu, si tu veux. Si tu peux commencer à chercher les indices là où tu n'es pas censé chercher, voilà. Mais donc là, je pense que le jeu s'attendait à ce que j'enfreigne les règles. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Après, c'est un point d'interrogation, c'est intriguant, d'accord, mais rien n'indiquait que, exceptionnellement, t'as le droit de regarder cette page-là. Moi, ça a été un peu frustrant pour moi parce que c'était pas logique, c'était pas normal. Mais après, ça reste une très bonne expérience. Sinon, de lecture, en tout cas, un jeu sympa. Ce que je disais quand on parlait des aventures du Pirate Barbare, le livre de Bob Lennon, dont la suite sort très bientôt d'ailleurs. Dans ce genre d'œuvre, dans les livres dont vous êtes le héros, il y a un équilibre à trouver entre le livre et le jeu. Alors, Bob a pas mal réussi son pari. Ici, on est plus sûr du jeu. Alors, il y a un rebondissement à chaque fois, mais vous voyez, j'ai plus parlé de gameplay que de récit finalement. En partie parce que si je commence à parler de récit, je spoil un livre dont le principe est de trouver la fin, donc voilà. Mais... Surtout, je pense, l'intérêt de ces livres-là, c'est vraiment plus le jeu, d'après moi. Faut surtout pas y voir un jugement de valeur de ma part, hein. En tant que jeu, ce sont deux livres très chouettes à découvrir. D'ailleurs, j'ai très envie de découvrir d'autres livres de Macaca Édition. Parlant de ça, il est plus que temps qu'on boucle ces 3 heures facilement de tournage entre hier et aujourd'hui. Je ne sais pas combien j'ai fait d'heures de tournage, mais c'est beaucoup trop. Avec donc mes remerciements traditionnels à mes Plectrions de niveau 3 et plus. Donc merci à Jolev, à Leslie, à Guillaume Olisa, à Eva VDM, à Falline Baskerville, au Monde de Titi, à Mariam Sico et à Andrea Martini, entre autres. Et je vais vous parler des livres du mois dans mon ordre de recommandation. En dernière place... Hamster Bretzel et... C'est bon, ouais. Hamster Bretzel et Mariage à Noël, désolé, hein, mais une fois que vous avez souri en lisant le titre, vous avez vécu ce que le livre a de mieux à offrir, d'après moi. Ensuite, Au secours, je suis dans un film de Noël, un livre qui ne fait qu'effleurer malheureusement le potentiel qu'il propose d'explorer, et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait énormément de potentiel. Ensuite, là, je vais mettre toute la dégâle... de Batman Rebirth. C'est là que je vais la mettre. Ça peut surprendre parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous ai dit, mais c'est mon ordre de recommandation et pas d'appréciation. Alors, c'est un cadeau de Noël. J'imagine le prix que ça a dû coûter, parce que là, il en manque un, donc c'est... Voilà. Je pense vraiment qu'il vaut mieux s'offrir les très bons épisodes de cette saga plutôt que la saga en entier. Parce que j'ai adoré la lire, vraiment, je vous la recommande. Je vous la recommande vraiment, si vous avez les moyens et si vous avez le temps. Mais c'est pas une bonne façon de découvrir Batman non plus. Enfin, le truc, c'est que voilà, les personnes à qui je le recommanderais l'ont probablement déjà lu. Donc, je sais pas. Voilà, je suis un peu... Voilà. Par contre, paradoxalement, je vous recommanderais plus auprès de moi toujours, alors que j'ai beaucoup moins aimé, pardon. Moi, je suis passé complètement à côté, mais il y a beaucoup de gens qui ont vraiment adoré. Alors voilà, ce serait dommage de pas vous faire votre propre opinion, si vous avez été intrigué par mon retour à son sujet. Ensuite, Nisna, hop là, même commentaire, sauf que celui-là est beaucoup moins connu, donc je vous le recommande plus. Moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais...
C'est un livre qui assume complètement son identité, je suis sûr que ça parlera à certains et certaines d'entre vous, donc foncez si jamais vous êtes tentés par mon retour. Ensuite, je vous invite très fort à découvrir Les BD dont vous êtes le héros de Macaca Édition. Ces deux-là sont très bien, on en parle demain sur Twitch, je spoil, parce que je me dis vous pourrez acheter d'autres numéros. Il y en a plein d'autres. Moi, je sais que je vais m'en offrir d'autres à un moment donné, parce que c'est j'adore le concept, je trouve ça vraiment très cool. Et puis, je peux pas vraiment rester sur un échec pareil. Mais le livre que je vous recommande le plus ce mois-ci, il vient de sortir en plus, une autrice qui est une magnifique personne, Inside Mac, Denny Ely. Bon, honnêtement, le livre est à chier, mais faut bien soutenir les copains. Je plaisante, avant qu'elle fasse une attaque. Parce que peut-être qu'elle va regarder cette vidéo-là aussi. Je plaisante. Il est vraiment excellent. Il est vraiment, vraiment excellent. À pas mettre entre toutes les mains, toujours, hein, je dis que je vous le recommande très chaudement, à pas mettre entre toutes les mains, il y a des scènes de torture explicites. Pardon, il y a des scènes de sexe explicites. Il y a des sexes explicites. voilà. Mais si ça ne vous choque pas, je vous le recommande vraiment très, très chaudement. Le mois prochain, je pense faire un mois spécial livres qui ont un rapport avec des livres déjà passés dans le coin lecture. Globalement, de quoi on va parler? Je vais lire des suites, je vais lire des livres écrits par des auteurs et autrices déjà passés dans l'émission, des livres qui ont inspiré peut-être des livres dont j'ai parlé. En fait, je sais pas encore, j'ai pas choisi les livres dont je vais parler, mais j'ai envie de faire ça. Probablement un Agatha Christie, mais sans ça, j'ai rien décidé. Bon, merci à tous d'avoir regardé cet épisode du Quoi Lecture. À demain sur Twitch, si on se voit demain sur Twitch. Vous trouverez le replay du live dans les commentaires dès que le replay sera disponible. Et sinon, de toute façon, on se voit la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas, pour les prochains Quoi Lecture, les Quoi Lecture de février. Bonne fin de journée à toutes et à tous, et à la prochaine.